Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée au sang, ses hôpitaux, la imata chez notre aîné. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko yaye. 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 Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas six mois sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mon combo t'es quoi là t'es quoi alors t'es quoi bio y'a mboka y'a fresh y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pula mon kanja isali barubi njombo y'a li en kuba paniwa barubi njenge isali y'a komba kanja y'a mboto y'a mbisela barubi nyama y'a mboto y'a mboko mboto y'a gane kala ngando n'est la lani na basi na sutu eza kodia na peti po maman mande ya solo po bato comprendre te mawa ba kongore u alonu po na kodia na bino moko ba kode ya dino kalinyo kodia na apeti Mesdames et messieurs, deuxième partie, critique info. Encore une fois, réflexion. On est terrain, on déplace Batebele, Baraboya. Parce que, il dit, ça nourrit pas. Non, mais ça nourrit l'âme du pays. Vous savez, mesdames et messieurs, les débats démocratiques élèvent une nation. Les débats de société construisent une nation. Les débats philosophiques consolident un peuple. Mais les débats politiques déchirent, divisent, séparent, oppose et ça ne construit pas parce que c'est futile. Mais malheureusement, les petits esprits aiment des débats comme ça. Un pays, ça doit se construire dans les idées. Un pays se construit avec l'imagination de ses intellectuels, de ses fils et de ses filles dignes, aptes, promptes pour penser république, pas penser parti politique. Penser république. Vous savez comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui pense un parti politique? C'est un militant, c'est un partisan. Mais quelqu'un qui pense république, on l'appelle homme d'État, on l'appelle citoyen, on l'appelle patriote, on l'appelle républicain. Il n'y a pas de républicains dans les partis politiques. Il y a des partisans et des courtisans, il y a des militants ou des cadres, tout ce qu'ils veulent. Mais quand on est en mesure de réfléchir au-delà de notre parti politique, on devient citoyen. Quand on est à un moment où on ne place que le pays comme son seul moyen de réfléchir, ou son seul directeur, en ce moment-là, on est patriote. Et nous avons besoin de patriotes. L'avantage avec un patriote, même s'il est idiot, même s'il n'est pas intelligent, mais il ne vend pas son pays, parce qu'il est patriote. Même s'il ne connaît pas comment on transforme l'or et les diamants, mais qu'il est patriote, il ne le vendra pas. Mais le désavantage d'être un homme instruit, pas éduqué et pas patriote, on vend le pays. On le vend. On trouve même les moyens intellectuels de le vendre. Et regardez bien, les hommes éduqués ne détournent pas les deniers publics. Mais les hommes instruits, qui ne sont pas éduqués, ils ne savent que détourner. Ils ne savent que voler. Et si c'est à ça que sert l'intelligence dans un pays, eh bien c'est l'inanition de la nation. La lecture de journaux, tout de suite, la boxe. Ilunga Makabu défendra sa ceinture de WBC en novembre à Kinshasa. Ici pour moi l'occasion de saluer ce grand monsieur, de saluer ce génie de la boxe, de saluer cette force, cette combinaison d'énergie, de patience et d'intelligence, cette énergie congolaise. Ilunga Makabu, un homme bien, un homme vrai, un homme honnête. C'est ce qui est bien dans ce pays. On doit célébrer des gens comme ça. Il faut les accompagner à combattre. Chaque coup qu'il donne à un adversaire, c'est la flamme, l'amour du pays qui se dégage dans ses muscles. On est là pour ça d'ailleurs, pour le soutenir. Un talentueux, c'est bien. Forum des As parle de Atundu. Plutôt qu'une république des juges, le pays a besoin des magistrats intègres.
penchant sur la magistrature. Un petit mot à cet aîné, à ces brillants aînés, à ce savoir personnifié. Moi, je l'appelle comme ça, M. Atundu. Mais M. Atundu devrait par contre dire la responsabilité des dirigeants dans un pays, c'est de construire une magistrature intègre. Parce qu'on ne peut pas dire des magistrats intègres. Le magistrat, par essence, est intègre et doit être intègre. C'est comme quelqu'un qui dit un docteur honnête. Non, le docteur doit déjà être honnête. Moi, je pense qu'il était de la responsabilité de M. Atundu dans leur gestion de fabriquer une magistrature des hommes intègres. Mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, ils se sont évertués à construire des magistrats à leur manière, à faire des magistrats de pitbull. Et ça, ça nous a amené à la déchéance. Aujourd'hui, on est en train de payer pour ça. Où allez-vous trouver les magistrats intègres? Aujourd'hui, les magistrats intègres sont des magistrats qui ont été pour la plupart des cas caporalisés, qui ne montaient pas en grade parce qu'ils n'étaient pas aptes d'obéir à des dictats ou à se pencher. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, la grandeur, la personnalité, la dignité ont une peau dure. Il est difficile pour un intellectuel à Ngoumbama. Un intellectuel à Ngoumbama, c'est pas mon congolais Kangama, à Ngoumbama, c'est son Ngoumbama à Bukani. Intellectuel à Nile Moto à Boyaka, Makambo à Mabé. Soko le biro yeza Mabé habite dans les cas, dans les cas à Soko le biro Ngoumbama habite dans Ngoumbama, c'est pas intellectuel à Ngoumbama la cabesse solo. Intellectuel à Ngoumbama la cabesse solo. Intellectuel à Ngoumbama la cambongote. Intellectuel à Ngoumbama la camaluba batote. Intellectuel en goût, mais la gambe la terre à bateau terre. Intellectuel en goût, mais la gande solo. Ce qui m'a tint de noël, il solo en goût, mais liango. Ce qui m'a cambo aux yeux, il solo en goût, mais liango. Ce qui est solo, t'as goût, mais la terre. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe en Biélorussie, je crois? Vous avez vu? Les policiers ont quitté l'armée. Ils ont quitté la police. Parce qu'ils estiment que les ordres étaient manifestement illégaux. Illégaux, si vous voulez. Bato batombo qui va le bino bako na niveau naté. Voilà le degré d'un peuple. Tombo zo évoluer, tombo zo kineko, tombo lambo kana biso liboso. Biso to lingi to koma na ba niveau ya magistrat kangiyo. Pe a moni que sika ou ki mealité. Pe a moni que yo ko ki maté, o ko kosa té. Identité na yo ebani pati kio, abidjonga ndako no, o ya ka be ko répondre. Nous voulons avoir un état où l'arrestation est une exception. Et que la liberté est un principe. Nous ne voulons pas remplir les prisons des gens qui se sont chamaillés, qui ont volé, qui ont... Non, pas remplir de prisons pour ça. Nous voulons que nos prisons soient remplies des voleurs de la République, des détourneurs de deniers publics, des malfaiteurs, des malfrats. Ceux-là doivent être en prison. Les voleurs de chèvres devraient en principe être dans des maisons de transition. Ou dans des maisons de correction, tout simplement, et puis ils regagnent la société. La problématique, c'est vrai qu'avant tout, comme on a niveau, il y a Fayulu Ngoï joue au casse du FCC. J'estime que ça va nous aider à avancer. En même temps, le FCC fait le deuil de Kilomba et Ubulu, plaidant la cause de deux hommes adultes et responsables. Mais c'est tout à fait normal quand on veut faire... quand on veut noyer son chien, on l'accuse faussement. Moi, je voudrais vous envoyer. Je voudrais que tout m'attache sur mon niveau et à réflexion. Ndeko, le Congo, il faut qu'on soit fier de nous. Il faut qu'on arrive à un niveau où on est fier de nous et fier de dire qu'on est Congolais. Mais la fierté d'un peuple est toujours accompagnée par la qualité du travail de ce peuple-là. On ne peut pas être fier que pour la nationalité parce que tous les pays du monde ont des nationalités. Il faut qu'on ait des choses qui nous rendent fiers. Ce qui rend fier la Chine, c'est la qualité du travail de la Chine. Le développement de la Chine ne repose pas sur un miracle de je ne sais pas moi, de Confucius, ou je ne sais pas moi, un miracle de l'hindouisme ou du shintoïsme. Non. Le miracle chinois, c'est le travail. C'est la détermination. C'est la compréhension de leurs enjeux. C'est la valorisation de leurs terres. C'est la mise en valeur de leur intelligence. C'est la mise en contribution de leur cerveau. Yangon de sali que Chine est dans la ningue zali lelo. Tango Chine remette à tolo. Pour ayemi que Nassima Nabiso Mosala et Ali. Nassima Nabiso Nzebi et Zali. Nassima Nabiso Bouania et Zali. La fierté du Japon, c'est aussi le travail des Japonais.
C'est aussi la contribution des intellectuels japonais dans la cause du pays. L'intellectuel japonais travaille dans le secteur de mines pour retransformer mine Nabango et de la profitable Nabango. L'intellectuel japonais réfléchit sur la sécurité japonaise, sur la défense japonaise, sur le marché japonais, sur l'économie japonaise. Mais à nous maintenant de nous poser la question, quelle est notre fierté? Fierté Nabiso Eda Nini. Nous nous reposons notre fierté sur quoi? Sur rien du tout. RDC et Lokwa Makasi. Et Lokwa Makasi pour n'importe quoi yok. Tu peux pas le Attention, quand on a eu un cas, c'est pas un RDC, au tchèque, au tchèque, au tchèque, au monde y a un co, monde y a béton, monde y a bénéfice, monde y a beau. Oui, tant de slogans. Mais le concret, c'est quoi? C'est un pays où l'on discute de tout sauf des choses essentielles. Le pays est devenu une kermesse de discussions inutiles et inopportunes. Où l'on parle de hommes que des hommes. Où on n'est pas capable de parler des idées. Sur les questions les plus simples, Yamboka. Tome Kampo Kotala, la question les plus simples, Yamboka. Et Zaganine, Koliat. Des questions primaires, primaires, Yamboka. Et Nicolia. C'est d'abord le manger. Mais si vous n'arrivez même pas à partager. Parce que nous, au Congo, le problème, c'est que Biloko Outra Liban, nous, le problème, c'est partager ce qu'on a sur terre, ici, dans le Nabiso. Toloni, Tobuki, Tokaboli. C'est l'exercice qui est difficile pour nous, Yangwana. Alors, si un peuple n'arrive pas à cultiver, à moissonner, à transformer et à distribuer ses propres richesses, alors ce pays-là n'a pas sa raison d'être. Ce peuple-là n'a pas sa raison d'être. Nzala ya Congo est un blasphème pour Nzambe. Parce qu'il vous a tout donné. Vous ne pouvez pas continuer à pleurer de faim dans Mbokao. C'est la possibilité. Ça ne peut pas s'expliquer. Mais comme au lieu d'avoir des hommes, nous avons des singes grimpeurs, comme le disait Nietzsche, voilà là où on est aujourd'hui. Ndeko, tant que vous êtes à la Congo, yomoko vandinano mitalinon RDC. Et on a le baraque, moi je dis toujours, hein, le jour où les Congolais vont voyager, à 70% de la population va voyager. Bozongi, non, aucun pouvoir ne tiendra 2 ans à tenir sauté. C'est là que vous allez vous rendre que Bato Bado Kambabiso, Bana Bouanya Mingite. Tenez un point. Qu'est-ce que le Congolais demande à ceux qui nous gouvernent? On ne leur demande pas grand-chose. Tosengi Bango Mingite. Tosengi Bango va reproduire le système au Bango Bakutaki. Pas plus, pas moins. Vous avez trouvé les blancs. Oui, reproduisez le système des blancs. Et puis, reproduire le système des blancs, ça veut dire organiser notre société. Pas reproduire le système d'abrutissement, pas reproduire le système de colonialisme. Non, reproduire le système dans le côté positif du système. Beaucoup de gens, on appelle ça comment? Bazaki ba boursier. Ils disent, non, moi j'ai étudié dans ce pays sans frais. Le pays donnait de l'argent. Le jour où j'ai fini mon université, Christian, c'est au niveau de l'école qu'on est venu me chercher. À l'époque, dans ce pays, les entreprises, les sociétés venaient chercher les étudiants. Naba école, nabango. Ils envoyaient même des fiches. Période d'avoir la classe et Congo Beuse a tindé les bango ticket. Alors, non, nous avons 7 postes vacants. Nous voulons 7 meilleurs dans l'université. Et l'IFASIC vous envoie 7 meilleurs dans bango. Ça veut dire un enfant qui n'a pas écrit j'ai l'honneur. Non. Aussitôt fini ses études, le contrat est établi, il vient travailler. Onatra et tindi bato. Régis des eaux est tindi, Snell est tindi, Jekamine est tindi, Okuna tindi, Général Motor est tindi. C'était comme ça à l'époque. Et les hommes et les femmes n'avaient pas besoin d'aller chercher le boulot ailleurs. Il suffisait d'étudier. Quand on a fini les études, le jour de la défense, Moussala est. Le peuple qui a une difficulté, et bien que ce soit facile, c'est Moussala, bon, bah, que Luka Moussala, mais nous, Luka Moussala, pendant longtemps, t'es. Non, nous, on a déconstruit ce système-là. On l'a détruit complètement.
Au point même que c'est le Congolais qui commence à aller chercher l'emploi. Pire encore, il commence même à payer pour l'emploi qu'il cherche. Voyez-vous le contraste, voilà. Et ça se fait comment en 6, en 60 ans. Mais quelle capacité de destruction que nous avons. Quelle capacité de destruction que nous avons. En si peu de temps, on a détruit comme si on n'avait que le temps pour ça. En si peu de temps, le Congolais a un logiciel de destruction, mais de grande envergure. Il y a puissance moyenne au Sakanaté. Tout ce que nous touchons dans Boko Nabito, nous détruisons. Tout, mais vraiment tout. Parce que nous voulons être les éternels commenceurs. Hein? Tobandara, Tobandelara toujours. On est là, Tobekoya, Tobandeli, Tokoya, Tobandeli. Mais arrivera un moment donné, vous allez vous fatiguer. Parce que vous aurez tellement construit, et puis on détruit, on construit, on détruit, on construit, on détruit. Rien n'est stable dans Mboka. Parce qu'il n'y a aucun modèle que l'on peut suivre. Je voudrais essentiellement parler de deux choses. Et je voudrais que toi, Kobo, accompagner Nga, Naba Ide, au Bouzanango. Mesdames et messieurs, vous savez, lorsque Mao Alingi a développé Chine, Mao s'est posé des bonnes questions. Il s'est dit, mais les Anglais sont comme nous. Les Américains sont comme nous. Mais pourquoi eux, ils ont un sommet et pas à Bissau? Alors, ils ont organisé le système de routine d'abattre dans Libanda. Ces gens sont partis à l'extérieur. Selon les confidences, on nous dit que Mao faisait le tour parfois et demandait à ces Chinois qui étaient à l'extérieur, en Angleterre, en Chine, tout ça, pardon, en Angleterre, aux États-Unis, en France, pour leur poser la question, comment vous avez vu les gratte-ciel à réseau routier. Et ils avaient des débats, ils discutaient. Non, il leur dit, mais vous êtes capable de faire la même chose. Vous êtes capable de reproduire la même chose. Et dans un élan patriotique, dans un élan de construction, la Chine a pu rapatrier le cerveau dans la Chine, travailler pour le bien des Chinois. Et aujourd'hui, la Chine se trouve être la tête de un pays ébélé. Aucun pays africain et l'équipe Chine dans le développement. Mais est-ce que vous savez, je peux vous faire rire, est-ce que Boebi écart pardon, indépendance, il y a Chine, il y a Bissau? Les statistiques disent que la Chine est indépendante depuis 1949. Je peux me tromper. Bissau 1960. Donc j'ai quand même du mal, hein, il y a compté, je ne suis pas très fort en calcul. Mais si je calcule bien, c'est 11 ans. Mais est-ce que le retard... Or, regardez, l'écart, il y a indépendance, il y a États-Unis, dans l'indépendance, il y a Chine. Les mêmes sources nous disent qu'il y a un écart, au moins il y a 2 siècles, il y a écart, il y a développement. Il y a indépendance, 2 siècles. Mais ce que vous avez écart, il y a développement, il y a Chine, dans l'écart, il y a développement, il y a États-Unis, il y a 2 siècles. Et là, l'écart est encore réduit. Parce que tout ce que la Chine fait aujourd'hui, disons tout ce que les États-Unis font aujourd'hui, la Chine peut le faire. Dans si peu de temps, peut-être. Peut-être pas tout de suite, mais dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils peuvent le faire. Mais regardez l'écart qu'il y a entre la RDC et la Chine, c'est 11 ans. Mais regardez l'écart de développement entre la Chine et la RDC, mais c'est des siècles, des siècles. Alors, qu'est-ce qui justifie cette paresse? Qu'est-ce qui justifie cette paresse? C'est simple. Là, c'est des hommes consciencieux. Ici, c'est des hommes inconscients. C'est la question simple. Là, il y a des hommes qui se soucient de leur avenir, de leur fierté. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. Le bloc quitte Mboka Oyo, Batikele Bino, chemin de fer. C'est vrai, et d'ailleurs, couvrir Congo Mobimbate, on est bien d'accord. Mais il y avait un élan quand même. Il y avait quand même un élan. En 60 ans, on ne se serait pas dégradé autant. Mais Talabiso Leoto Komi, le même système, le même chemin de fer, au lieu d'évoluer, on n'a pas évolué, on a tout détruit. Nous sommes allés même construire sur les chemins de fer. Attaque Bino Moko. Attaque tous appelés ceux qui n'ont ni niango. Na place que Bobongisa. Botongi li kolo ya chemin de fer. Faites un tour à Willeri. À Kinshasa, il y avait un réseau ferroviaire urbain. Quelqu'un pouvait quitter Kitambo, Tinagar Central, na train. Mouta a quitté Massina, Tinagar Central, na train. Mouto a quitté Gombe, a tourné. L'Alekilingwala a traversé Natrin. Aujourd'hui, c'est impossible de fréquenter certains réseaux. Certaines lignes, pas toutes, certaines lignes ont tout simplement été abandonnées. Parce que certaines personnes
les femmes d'eux, les cousins d'eux, le frère d'eux, les aînés d'eux, ont décidé de construire sur le chemin de fer. Donc, ils ont dit, niette au développement, ça s'arrête là, on construit. Ah, à taper Kobi, je peux être l'équipe, Maël et Ango. T'es au niveau Wana. Regardez ce que Mobutu a laissé dans Mbokao. Mobutu a laissé des édifices. Pendant 32 ans, il a éminé l'été. Mais il y a un symbole de Mbokao. Pendant 17 ans ou 18 ans, il y a règne à Joseph Kabila Kabange. D'abord, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Rien à voir avec la personne. Je parle du système Kabila. Ou la Kabylie, si ça vous intéresse. Sokotuni Bango, édifice public, comme il y a un édifice. Et comme il y a un édifice. Ton dimi boleki ba tona maele, oui. Ton dimi ke bozaki ki na 18 ans de pouvoir, oui. Ton dimi, ton dimi ke boleki biso na boanya, ton dimi. Mais est-ce que boleki kobi sabiso immeuble obino boto, disons, boleki kobi sabiso édifice obino botongi le quoi stade des martyrs? Pouvez-vous nous le dire? Si aujourd'hui nous n'avons pas la chance d'avoir la CAN, ton cause n'a même pas d'ambition, yakobeng qui s'attaque Coupe d'Afrique, mais c'est parce que nous n'avons pas d'infrastructure. Parce que nous n'avons pas de stade sérieux, on n'en a pas. À part Kamagnolo Bozano Mouzaïnine. Nous sommes en train de perdre dans le tableau. Kamagnolo, surtout Tony Mongo Babi. Non, Kamagnolo à l'époque, c'est là qui c'est qui deuxième stade. Et là qui troisième stade à l'époque. Donc vous regardez l'ambition de celui qui dirigeait le pays en ce moment-là. Mais à votre tour, combien de stades ont été construits? Rien. Moi, je suis né à Goma. Nabi stade Moko, stade de l'unité. N'habitez Moussou, ce qui tombe à Prenga. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est dans le stade de l'unité. Mais le stade de l'unité, c'est un terrain parpideur. On appelle ça stade parpideur. Mais en réalité, c'est un terrain. C'est un terrain clôturé. C'est un terrain clôturé. Ce qui est dans le Mbandaka. Dans le Mbandaka, on a stade Moko, stade Bakous. Et puis, il y a l'État, c'est ça qui est à Basango. L'État, c'est à Kouzoua. Pourtant, on a un stade Moko. Sur Otali, côté à l'Institut Athénée Royal. Comment on appelle ça? Institut de Mbandaka. Terrain Moko, mais en principe, il y a un terrain armé. Et là, il y a un terrain en Kaona pour que vous mettez à Bali. Vous voyez l'ambition au Badozanango. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Sommes-nous pas capables vraiment de construire d'autres stades? Sommes-nous pas capables de construire Babio comme Zouzou? En tout cas, c'est un projet pour le Kouta, construire un stade municipal, blablabla, blablabla. Mais à la fin des comptes, le projet est quoi inassé? Ou on a qu'à prendre un camion qui a un stade? Bon, vous savez qu'il y a un régie des eaux. Quel immeuble public est-ce qu'il y a un régie des eaux? Régie de, pardon, non, RTNC, la voie du Zaïre. Lorsque Mobutu construisait la voie du Zaïre, c'était le plus beau bâtiment abritant la presse et Afrique centrale, Mobimba. Et là, quand il y a un mot, il a quitté. Bino, on a 18 ans, qu'avez-vous créé? Qu'avez-vous construit? Il y a un modèle Wana. Ni immeuble intelligent. Ça, c'est même pas immeuble intelligent. C'est même pas, il n'y a même pas d'intelligence là-bas. Il n'y a même pas d'intelligence là-bas. C'est quoi l'immeuble intelligent? Ça, ne pas que vous comprenez, vous avez un mot. Non. Non. On a régie des eaux. Toutes ces choses ont été construites avant. Mais oui, mais dites-nous maintenant, vous, à votre époque, qu'est-ce que vous avez construit Yamalunga? Tozaki n'a pas Air Zaïre à l'époque. Il y a une compagnie, il y a l'État, il y a l'aviation. Et il y a un combo, il y a un combo. Tellement qu'il y a un combo, il y a un avantage, il y a un prestige, il y a un prestige. Et il y a un quartier dans la ville, il y a un combo. Par exemple, on a tout un quartier. Mais à l'époque, Air Zaïre. C'était, en plus, c'était un aéroport. Donc, c'était le prestige, en fait. Si je vous ai cité la Chine, c'est pour que la Xabino degré à rattrapage. Voilà. Donc, on vous dit que le problème, ce n'est pas pendant combien de temps vous souffrir. Mais le problème, c'est la décision pour que se rattraper. T'as la degré Chine s'est rattrapé. Il y a deux siècles. Comme pour ce que nous avons président chinois, on peut relever le président américain. On le peut à Boipe. Président chinois, par exemple, à Boipe, qui n'est pas président, président coréen. Voyez un peu comment ça se passe. La même chose avec avec Corée, la Corée. La même chose. Pas à Corée, il y a famille Kim. Non, il y a Kim Jong-il. Je parle de la Corée du Sud. On m'a dit, modèle, on va évoluer. Nous, on pouvait aussi évoluer. Le problème avec nous, c'est le leadership qu'on n'a pas encore défini. On n'a pas encore défini le leadership, on n'a pas encore défini le pouvoir. Pour la mission pouvoir, Zali Kolia, comme elle a combattu la Libota. Pouvoir, Zali Kolia, on a besoin, il y a la toté. C'est là notre plus grande difficulté. Mais je continue à croire, moi personnellement, que Toko change beaucoup quand on a besoin de Sotolingi. Toko change beaucoup quand on a besoin de Sotolingi. Dans ma petite exemple, quand Mickey, ma petite exemple, Sotolingi, Kotiango, Kabo, on comprend bien que ce pays a un problème. Avec des petits exemples, on peut se dire, maintenant, est-ce qu'on peut évoluer?
Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il est possible d'avancer? Oui, il est possible d'avancer. Mais le problème, c'est que vous devez avoir une vision. Parce que les efforts éparpillés, il faut construire un peuple. Mais le modèle autosanangonde, c'est un modèle compliqué. C'est un modèle compliqué. Vous mettez la démocratie. Vous aussi, c'est comme ça, la culture, démocratie. Moi, j'ai toujours été contre cette démocratie. Toujours contre cette démocratie à la congolaise. Démocratie où il y a made in Kabylie. Je ne suis pas d'accord avec cette démocratie. Pas d'accord avec cette démocratie. Je suis d'accord avec la démocratie. Le coup, la général Marc Arthur, Azoloba. Et dans l'élévation, il y a un peu. Mais il y a un peu de. Regardez aujourd'hui avec cette histoire de démocratie. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut raconter ce qu'il veut raconter. C'est-à-dire, on est même obligé d'écouter des gens qui ne pouvaient même pas parler, des gens qui devaient se cacher, qui disent une chose et son contraire. Christian Boussembe, bah, fouta kaye mbongo. Mais Christian Boussembe, bah, fouta mbongo. Mais c'était le contraire et le contraire. Avant de le côté, le thé, bah, on peut se mbongo. Mais vous reconnaissez qu'on ne me paye pas. Mais vous êtes le premier à dire, bah, fouta kaye. Mais finalement, vous dites quoi à la fin? On dit quoi au final? Non, moi je pense que Mbokao, il faut tout élever en mona débat. Il faut tout élever en débat. Il faut tout mémamboka un peu moulaï. Tout mémamboka un peu moussika, pardon. Ce n'est pas possible. Jusqu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, un exercice aussi simple, on n'arrive toujours pas à résoudre ça. On le bosson baki, ma biloka ma belé, tokabola, tokokinante. Bon, deuxième chose. Tissikoyo, il est impossible et très difficile pour un Congolais de quitter le point A vers le point B. C'est très difficile. Mais comment on rend un déplacement difficile? Les blancs, quand ils sont partis, bah, ils ont un chemin de fer. On devrait en principe construire ça. Donc, on a un chemin de fer commercial, commerciaux si vous voulez, disons, train commerciaux, train des passagers, train touristique, disons, ils peuvent permettre tout, ça tourisme là-bas. On pouvait les avoir. Un réseau ferroviaire Yamalonga, ça coûte combien? Les experts vont vous dire, ça peut vous coûter combien? Un réseau ferroviaire Oekorelié, Congo Mobimba. Et vous écoutez, Bino, combien? Vous en avez besoin, il y a combien? Tous les prisonniers, on a des jeunes Congolais, ébélés, tous les étudiants, ébélés, on a des gens qui n'ont pas de boulot. Ces gens-là, on pouvait les coacher dans le service à l'État. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut qu'il y ait une armée, service militaire. Non. Moi, service militaire, je ne trouve pas. Ce n'est pas mon problème. Mais moi, je parle d'autre chose. Moi, je crois qu'il faut, à un moment donné, tout décréter un mandat ou une année. Il y a construction. Ça nous permet, Yannine, au fait, ça nous permet de travailler. Ça nous permet d'identifier d'abord la main-d'œuvre. Ça a été toujours un problème pour nous au pays. Identifier la main-d'œuvre. Et pour moi, c'est quoi la main-d'œuvre? Pour Nangaï, main-d'œuvre, c'est Aliboué. Ba étudiant pendant ba vacances na bango. Ba élève pendant vacances na bango avant ba kende na première année secondaire. Bas militaires, au bas dans la zone aux guerres exaltées. Bas policiers, au bas dans la réserve. Bas prisonniers, au bas dans l'état, na bonne santé. Na état et outa et roussala moussala, na bonne santé. Bango. Na tous les volontaires. Bas fungoleli, bas volontaires, nios. Ce que tu as dit, 5 blocs, wana, on peut avoir, je ne sais pas dire 1 million, mais on peut avoir beaucoup de gens. Bateau va continuer à travailler pour 5 dollars le jour. Non, pardon, 5 dollars, oui, même le jour. Parce que c'est une question de travail pour Mboka Mobimba. Là, en ce moment-là, on ne parle pas de SMIG, non. L'État a besoin de moyens. On dit non, en ce moment-là, on veut travailler. On dit 5 dollars le jour. Pour le bateau, Balingi Bakoussala Moussala, on a convenablement. On aura beaucoup de gens qui vont vouloir travailler. En ce moment-là, on peut diversifier Makambo. Bateau, on ne peut pas la construction à port Bango. Oh bah, okay, pas aider. Parce que quand on dit construire des ports, c'est pas tout le monde, non. Construire des ports, c'est par rapport à un génie, par rapport à une intelligence. En ce moment-là, on a des chefs d'équipe. Oya ba balabala yangoyo, oya ba train yangoyo, oya bo yangoyo. Au lieu de faire comme les autres veulent, service militaire, service national, service boy, moi je crois qu'il faut qu'on définisse les modèles qui va aller le mieux avec nous. On n'a pas besoin de faire, oh non, la Belgique est en train de dire militaire. Militaire pour résoudre quel problème? Voilà pourquoi je dis que le mimétisme est Boumara toujours au buisson en boucle. On a entendu les gens dire service militaire, nous aussi on veut service militaire. C'est pour que ça règle quel problème? Les militaires qui ne sont, pardon, les civils qui ne sont pas éduqués, la population qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas contrôlée, elle n'est pas apte à toucher les armes. Sinon c'est la jungle. Sinon c'est la jungle. Nous ce que nous demandons, on ne demande pas beaucoup, on ne demande pas plus.
Nous demandons simplement que le leadership et l'exhibition de Zélé à Moussala. Il faut que les Congolais soient dans Goma, les Congolais soient dans le Bas-Congo, soient dans la capacité à communiquer calmement et librement. Nous voulons avoir des rendez-vous dans Goma pour nous montrer dans le Congo central. Alors, moi et ma famille, on va aller passer nos week-ends dans Goma. Bah, je peux traîner à Bango à partir, par exemple, d'habiter à Pozo, ce qui place Nini. Bah, je traîne à Bango et quitte Bango peut être à Goma, effectivement. Dans les 48 heures, ce qui peut dans les 70 heures, vous avez vu comment vous allez prendre le temps. Mais au moins, Moutalongo na ben à Goma, à que ti beni, disons, pardon, ti qui coûte na train. C'est possible. Moutoupa longwe Mboujima et à longwe Mboujima et ti équateur na train à Komi. Les gens vont dire, mais Balaba le koe, kokatin te, place au Balaba le souki, bama et zalak. On appelle ça. On jette le pont. On peut jeter le pont. Il y a des ponts routes rails à la ca. Il y a des ponts routes rails à la ca. Rendons ce pays beau. Travaillons pour construire ce pays, mes frères. Moka oza na besoin na biso. Que le kaba conflit na biso. Ne détruisons pas ce qu'on est en train de construire. On va le regretter. Posons-nous toujours la question si sommes-nous en train de jouer ou en train de travailler. Posons-nous la question dans tout ce que nous sommes en train de faire, si nos enfants ont un avantage dans Mambo Tosa Alelo. Dans chaque action que nous menons aujourd'hui, posons-nous la question si la société peut tirer profit d'Ango. Ce dont on a besoin, c'est une conscience. C'est une volonté de construire. C'est l'amour de ce pays. On en a besoin pour Mambo Kanabiso évoluer. Abat les conflits inutiles. Abat la distraction. Construisons ce pays dans l'amour, dans le respect, dans le travail et dans la dans le culte des valeurs, dans le culte des vertus, construisons, ne détruisons pas. Tolingamboka. Totika kotala na ba tribu. Oh Mungala, oh Mutetela, oh Mulup, Totika Bilokoana. Et d'ailleurs, Batoua Mikie, ne pas le mélanger à ma tribu, n'a pas le Batoua Mikie. Batoua Mine ne batala à ma tribu, Batoua Mine ne batala à ma valeur, batala à ma apport. Merci d'avoir été nombreux. Sunga Bisso, Yokozara, tout ça dans vos poussa. TV na radio, et que ça l'a un grand plaisir. Mesdames et messieurs, la place qu'au Fingamoto, contribue, c'est mieux. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde, moi c'est Achille Boutungu. I do work for Unishow by AFH. Anda Cedric aussi. Tous ako faire appel na bino nyon soto boza ko la nanga sikoyo. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni seulement que tous ako pesa ba service protection et assurance. Tous pesa assurance vie, life insurance. Eza ke soki moto azana bon moite, ba futi yo mbongo. Mbongo ba ko futa yo, eza pona ko couvrir na enterrement, pe na soko tika héritage na bana yo et en même temps soza ki na ndako ozwa kana crédit et ko ipeko futa ndako na yo toza so suna auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki muto abeli azana ndako osala ka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant ko zana ndako zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que nous avons dit, bien au foot, nous avons protégé nous, donc au foot. Nous avons une autre critical illness, assurance maladie. Tant que nous avons un problème de santé, au belly, sérieusement, l'assurance te paye. Nous avons un témoignage de belly, nous avons un foot parce que belly m'a dit critique. Nous avons juste besoin de témoigner par rapport à ma cambo d'assurance, où nous avons biso Achille Azako Sala. Tango likame zui biso et que maman santé dérangée. Maman bazana droit ko futa e autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e singela ki par rapport na oyo biso tozwa. Ke za aventure te e za vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc kozé la tête na suka. Naza a pona ko aider yom tozo landanga oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuez aux hommes, ces hommes noirs, Daïmada, Chino, Tuenele, Nakinia, Panapiko, Namosala.
Kitoko, Nakinya, Panakumbo.